Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que surtout vous prenez soin de vous. Escapade est à Tipaza, cette ville qui a gardé son nom depuis l'Antiquité et une ville côtière aussi qui regorge de trésors archéologiques. Elle est aussi enregistrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tipaza veut dire transit, relais, mais pourquoi? Vous voulez le savoir? Suivez-moi. Alors dites-moi monsieur Ben Salah, on se trouve ici au port de Tipaza. Oui. Tipaza qui veut dire le relais, le transit, passage. Le oui. passage. Oui. Et on ne peut pas parler de Tipaza sans parler de la mer, du Rhône, de son port. Bien sûr, puisque tout a démarré de ce port, du moins de la mer. Les premiers occupants de Tipaza, bon, sont parlés de la période préhistorique où on a eu les libéro-maurusiens ici, on a eu des fouilles ici à Tipaza, où on a trouvé des restes, des traces de libéro-maurusiens. Et c'est aussi à Tipaza que nous avons la montagne derrière nous, qui est le Chenois. Au pied de cette montagne, on a trouvé une grotte très importante, où on a trouvé un poignard datant de 5000 ans avant Jésus-Christ. D'accord. Puisque les archéologues français et étrangers ne parlaient pas de l'âge des métaux en Afrique du Nord. Et là, une preuve irréfutable, puisque c'est un poignard en airain, en bronze, qui a été trouvé, prouvant que en Algérie, en Afrique du Nord, on connaissait déjà, on travaillait le métal. D'accord. Et donc le bronze. Donc ça remonte à très loin. Mais à partir du 6e siècle, avant Jésus-Christ, on a vu l'arrivée des premiers Carthaginois ou Puniques, ou d'autres les appellent les Phéniciens. En réalité, les Puniques, c'est le mélange des Berbères et des Phéniciens qui ont fait, ou les Carthaginois. Ils arrivaient par la mer toujours. Pour faire un travail qui leur est propre, c'est le commerce. Très bien. Donc ils avaient des comptoirs jalonnant cette côte algérienne et la côte espagnole, ibérique. Et aussi, ils allaient jusqu'à Dakar, jusqu'au Sénégal. Qu'est-ce qu'ils avaient comme genre de Ils commerçaient le bronze, le fer, les métaux, qui étaient moins connus chez nous. Et ils prenaient l'or, le l'ivoire, surtout, oui. Donc, il y avait des échanges, ce qu'on appelle le troc. Ok. Ils avaient une façon de faire ces échanges. On n'a pas le temps pour s'étaler sur la façon de faire l'échange. Mais ce qui nous reste comme preuve matérielle de cette période, c'est cette pierre qui est... C'est un rocher qui est carré, qui est penché. Qui est penché. Quand on a creusé le port de Tipaza à l'époque coloniale, ils sont arrivés à cette pierre qui est un tombeau. Ah bon? Parce que ici, nous sommes sur la place de la nécropole punique. Donc bien avant la période romaine. Un tombeau, Agda. Oui, il est tombé parce qu'il n'y a plus de support. Oui, bon, c'était après, creusé dans le tuf. D'accord. Ah, il est impressionnant. Donc la mer, c'est vraiment le commencement de l'histoire de Tipaza. Très bien. Et certains disent qu'il y avait un port à l'époque antique. En fait, il n'y avait pas de port à l'époque antique. Il y avait un lieu où on tirait les trirènes, c'est tout. Le seul port qu'il y avait dans la région, c'est Cherchel, où on a un phare, une jetée, etc. Donc clairement. Ici, les bateaux pouvaient accoster de par sa position. Vous avez cette forêt où il y a le phare, et donc c'est la Tipaza antique, qui protège cette partie.
Donc contre les vents d'ouest. Et contre, bien abrité. Voilà, bien abrité. Et à l'est, il y a Sainte-Salsa aussi qui fait un rempart contre les vents d'est. On avait seulement les vents du nord qui sont dominants également, mais on tirait les Tyrrhènes à sec. Donc les Carthaginois, donc mouillés dans la rade, faisaient leur échange et puis repartaient vers Cherchel en passant par le Chenois, d'où le mot Tipaza, le passage. Donc le cap du Chenois était très périlleux et dangereux pour la navigation. Donc on est Mais moi, quand je vois ce genre de tombeau, ce genre de, d'architecture, moi, j'ai l'impression qu'il y avait des géants qui vivaient ici. Oui, effectivement, c'est une architecture monumentale. Mais cette grandeur de cette architecture n'est pas fortuite, en fait. Ce tombeau n'était pas conçu pour une seule personne, mais pour une familia, pour une D'accord. grande famille. Et donc, c'est un caveau familial. Ok. On a une couverture en haut. Oui. Cette couverture, on l'a poussée. On la faisait monter sur des rondins, on l'ouvrait et on mettait quelqu'un en tombe. Ensuite, on refermait au fur et à mesure. Donc, on verra sur les sites de Tipaza où il y a beaucoup de tombes communes. Je veux dire, par rapport à la taille, c'est un peu. C'est comme le mausolée royal de Mauritanie, qui est un mausolée commun à la famille royale. Toute la famille royale était enterrée là-bas. Mais tout était une histoire de grandeur, en fait. Oui. On voyait grand. On voyait grand. Et c'est tant mieux parce que... Il y avait beaucoup d'espace et moins de monde. Non, on était grand. Qu'on le veuille ou pas, on avait notre place en Méditerranée. Les ancêtres, les anciens Algériens, les anciens Maghrébins, avaient leur place, avaient leur commerce, leur échange avec les autres peuples, etc. Et la mer est là pour prouver cette liaison qui était avec l'Espagne, la France, l'Italie, la Grèce, l'Égypte, etc. Donc on était, comme les autres Méditerranéens, on pensait aussi à la vie après la mort. Oui. Donc on avait toujours cette idée qu'après la mort, il y a une autre vie, un autre monde. D'accord, donc il fallait bien se préparer dans un endroit bien confortable. Voilà, et avoir de l'espace. Voilà donc l'entrée, alors qu'il a été le petit jardin. Ouais, inauguré par Marcel Christophe en 1955. Oui, et amélioré, du moins réorganisé par Rivière, Jean-Pierre Rivière, était le père de la muséologie. Donc il a mis ses objets dehors, quelques objets comme des pylons, des trucs. Et l'une des plus belles pièces pour moi, du moins, et pour ce Rivière, c'est cette tuile qu'on appelle Tegulai, où il y a un bateau qui est dessiné, où le potier a fait ce tag, ou du moins cette gravure sur cette tuile quand elle était crue avant de passer au four, pour dessiner un bateau avec une seule voile, un gouvernail derrière. Et on a une idée que dans cette ville, à Tipaza, il y avait ce genre de bateau ou d'embarcation qui arrivait avec des marchandises. Probablement une galère phénicienne. Ici, dans ce patio, on a des objets hétéroclites. On a des tables funéraires, des pylons, des jarres, des tables funéraires également, des inscriptions sur marbre. Ici, nous avons une belle table funéraire avec le monogramme du Christ, où il y a ce X et ce Rho. C'est des lettres grecques. Christos, ça veut dire. Christ. Le Christ. Christos. Ah, d'accord. Alpha et Oméga. Alpha, c'est le début de l'alphabet grec. Et le oméga, c'est la fin de l'alphabet grec. Du début jusqu'à la fin, Christ est en moi. Donc c'est une table funéraire chrétienne.
Okay. Et il y a ici Memoria Avia et Bavariae, à la mémoire d'Avia et de Bavarie. À la mémoire. Donc ici, in pace, en paix. Ici, c'est une table funéraire. On avait coutume de manger dans le cimetière. Cette table se trouve sur les tombes. Carrément. Oui, et on mangeait ce qu'on appelle le repas funéraire, les agapes. Mmh. On mangeait à la mémoire de celle, puisqu'ici il s'agit de Bavaria et d'Avia. On mangeait et on faisait participer le défunt par un trou qu'on appelle le trou des libations. On lui jetait de la nourriture et un peu de vin. Il participe avec nous et on partageait ce repas. Maintenant, sur la même longueur, donc, on va voir une autre table funéraire qui est plus merveilleuse encore et qui est à l'intérieur du musée. Donc, ça veut dire que nous avons cette table. Exact. On a cette continuation, même dans la religion musulmane, nous continuons. Mais on ne mange pas avec le défunt. On distribue le sfinj, le ftaïr, le kermos ou le tamar. Le djubana. Ici, c'est l'adat islamia. D'accord. Ça veut dire que ça nous vient de nos ancêtres, mais on l'a converti en sadaqa. Et on mange à la mémoire. En fait, il y a une continuation. C'est une espèce de transition pour que ça ne soit pas violent. De ce bienfait. D'accord. En fait, c'est un bienfait. On impressionnant de manger comme ça. La générosité avec le défunt est traditionnelle. Et voilà. Voilà. Oui. Bon, maintenant, on apprend. Hein. Donc, tout à l'heure, je vous disais que ce musée a été conçu pour la première fois selon les normes muséologiques. C'est-à-dire qu'un musée n'est pas une place figée, morte, où il y a un étalage d'objets, la poterie d'un côté, le verre d'un autre, les pièces de monnaie, etc. Il fallait que tous ces objets aient un lien entre elles. Ici, nous avons tout ce matériel qui a été trouvé dans une seule tombe. Ah oui. Nous avons d'abord une pièce de monnaie qu'on mettait dans la bouche du mort, du défunt, pour qu'il paye son passage. Le Styx, la rivière qui sépare PH. Le monde des vivants et le monde des morts, qui s'appelle le Styx, il y avait un charron avec sa vague et sa barque. Il faisait passer les âmes de l'autre côté dans l'enfer, de l'autre côté dans l'autre monde. La légende. Oui, la légende, mais ils y croyaient, puisque chaque mort, il a une pièce de monnaie pour payer le payage. Ensuite, ils savaient qu'il y avait un monde qui les attend. Ils devaient avoir aussi de la nourriture. Ici, nous avons des ossements. Ailleurs, nous avons des grains, des ossements de lapins, de poissons, de coquillages, etc., de lièvres, de marcassins. Vous avez ici des défenses de marcassins, là, trois ou quatre. Par exemple, ici, il y a un bracelet, donc des bijoux. La femme doit avoir ses bijoux, doit avoir son parfum, elle doit se faire belle. Des fois du phare, mais beaucoup de choses. Et aussi une lampe à huile. Nous avons partout une lampe à huile parce que dans l'au-delà, il fait noir. Il fallait s'éclairer. Donc le passage devait être éclairé. Et donc ils avaient tout pour vivre, pour continuer à vivre. Le grand voyage. Et la bouffe, enfin le manger, la boisson, les parfums, les armes, ici, des armes aussi. Voilà, des arbres, sinon représentés par des clous, des bijoux. Cette vitrine est très didactique. Par contre, quand vous avez une vitrine comme celle-là, où nous avons des poteries seulement, ils ne nous donnent pas une idée de la vie qu'il y avait. Ouais, mais ouais, par contre, nous avons une idée du commerce qui se faisait à Tipaza. Puisque cette poterie, qui est une poterie africaine, sigillée africaine, donc c'est une copie de la sigillée arétine ou italique. D'accord. Qui est l'une des plus très belles céramiques. Cette céramique et celle-là, ça veut dire qu'il y avait des échanges entre l'Italie et l'Algérie, entre la Grèce ici. Vous avez ici des poteries grecques, des poteries noires campaniennes, de compagnie, donc d'Italie. Nous avons aussi des lampes à l'huile, des fioles, des lacrymoires. Lacrymoires, c'est des petites fioles où on ramassait les larmes. On a pleuré ce défunt, c'est plein de larmes, ça veut dire qu'il était aimé, on a pleuré beaucoup. Mais entre nous, il payait des pleureuses. Hein. De ça, il faisait quoi avec un bête hein? Avec, comment on gardait ses larmes à la maison pour voir quel point.
vous l'avez? C'est une ouverture qui est sur l'égout central, donc qui amenait les eaux usées vers la mer. Mais comme ils ne voulaient pas que ces eaux usées soient jetées directement dans la mer, ils ont fait un filtre à sable. Carrément. Donc ils ont mis du sable et ce sable filtrait l'eau. Une fois que le sable est saturé, donc avec les détritus, etc., on reprenait ce sable et on faisait un fertilisant pour les agriculteurs. Donc deux en un, on filtrait l'eau et on avait de l'engrais gratos. Ils étaient écologiques. Très écologiques, très avancés, 20 siècles avant. Très avancés, avant notre ère. Pour le temps. Et je peux vous informer qu'en disant qu'à la Huila de Tipaza, enfin en Algérie en général, on a très peu de stations d'épuration. Alors que 20 siècles avant, c'était cette ville-là également, qui est l'une des plus belles. Mais elle surplombe carrément la mer. Oui. Oh. Là aussi, il y a un filtre. Là aussi, c'est comme... Pour cette ville-là, c'est un filtre à sable personnel, enfin individuel. Ah, mais chaque villa avait son... Parce que cette villa ne pouvait pas faire monter ses eaux usées vers le filtre principal. D'accord. Donc elle avait utilisé... De toute façon, l'essentiel, c'était de garder la rive ou le rivage ou l'eau claire, propre, nette, etc. Pourquoi? Et là, c'est l'entrée, là. C'est l'entrée, ça, c'est l'entrée principale. Donc, nous avons des salles à gauche et à droite, et aussi des magasins. Donc ici, c'est des magasins. Celui-là, il avait un magasin à vin, donc on a des autres, des dolières, des grandes jarres. D'accord. Probablement des vêtements ici, et des grains en bas. Donc, ils avaient tout, ils avaient le vin. La villa d'en face, c'est l'huile d'olive, il y a une huilerie. Donc, l'huile d'olive, le vin et le pain. Cette partie était couverte, et là, c'est la cour. D'accord. Avec ce qui nous semble être un puits, en fait c'est une vache d'eau qui était alimentée par l'eau de pluie, par un système qu'on appelle impluvium, et dont on peut voir ici la rigole qui va là, venez voir par là. D'accord. L'entrée de cette eau qui est collectée de la toiture de toute la villa et emmagasinée dans cette vache d'eau. Ensuite, quand on puisait l'eau ici et qu'il y a des gouttes qui tombaient, elle s'était recyclée. Tout était prévu, il n'y avait rien pas de gaspillage. Incroyable. C'est une villa également qui est connue pour avoir deux tricliniums. Triclinium en latin, ça veut dire un salon, une salle à manger. Nous avons celle d'hiver ici et l'autre qui était le triclinium d'été. On voit que c'est une maison qui n'était pas d'esclaves, c'est une maison de riches. Il y a deux petites chambres derrière de très très mal conçues qui étaient pour les esclaves. Et tout le mur était tapis de stuc, donc de fresques. Cette technique de construction que nous avons ici avec des piliers comme ça et de la pierre, c'est ce qu'on appelle en latin l'opus africanum, travail africain. D'accord. C'était Pourquoi? Les esclaves aussi qui faisaient ça. Même les architectes, c'est une technique de construction très importante parce qu'elle est antisismique. D'accord. Et ici, nous sommes dans une région sismique, très sismique. Donc c'est pour ça que tous les séismes qui sont passés, ces murs sont restés comme ça, à part celui... Prévoyant. Prévoyant jusqu'au... Alors prévoyant et écologique. Et respectueux de la nature. Ils avaient des ingrédients spécifiques, Justement, nous sommes à proximité d'un endroit, la fabrique de garum, qui est un ingrédient incontournable. La fabrique garum. G-A-R-U-M, garum. C'est quoi? C'est une sauce de poisson. D'accord. Alors on mettait du poisson ici, dans ces bassins, on laissait décanter ou mariner, du moins. Donc on mettait du poisson et du sel. 50%, 50%, moitié sel, moitié garum. Et on laissait mariner. On récoltait cette sauce qu'on mettait dans des dolias, qu'on peut voir là-bas, donc des grandes jarres, et qu'on stockait. On stockait ici, on laissait sécher cette sauce toujours, enfin la condenser, parce qu'elle était très chère. Et plus on avait une dolia pleine de sauce condensée, plus on pouvait avoir beaucoup d'argent. Et gorum. Garum. Garum, c'était pour... Pourquoi c'est pour assaisonner tous les plats.
Bah, excusez-moi, est-ce qu'on peut déjà changer d'endroit? Oui, parce effectivement. Que la cigale, ah, oui. Hein, le son est assourdissant. C'est l'été, donc c'est le temps de chanter. Donc on parlait des termes. Oui. Est-ce qu'il y avait un protocole à suivre? Oui, effectivement, il y a un protocole, il y a tout un circuit qu'il fallait suivre obligatoirement. Ouais. Alors on a une suite de chambres à température variable, en commençant par la plus froide, qui est le frigidarium. D'accord. Frigidus, donc, et ensuite on a le tepidarium, qui est la chambre moyenne. Froid, ensuite le caldarium. Donc on s'échauffait vraiment, on suait, et on rentrait dans la chambre chaude. Puisqu'on est chaud, on rentre dans la chambre chaude. On passait à la deuxième chambre, qui est le tepidarium, où il y a des piscines, mais à température moyenne, c'est-à-dire potable. Bon, on restait un petit moment pour refroidir, le corps refroidir, le temps de refroidir. Ouais. Ensuite, on sortait dans la dernière, qui est le frigidarium, où il y a une natation, une piscine, pour nager. Donc on faisait quelques brasses, bien, pour alors qu'on enlevait tout. Dans une eau très froide. Une eau frigidaire, température ambiante, normale. Pour raffermir. Des fois même de plein air. D'accord. Des fois de plein air. Alors, là... On sortait très bien. Et dans les thèmes, il y avait tout. Il y avait de la bouffe, donc des livres, des bibliothèques. On pouvait manger, on pouvait rester toute une journée. Et le massage? Le massage, tout est prévu dans les thèmes. Le massage, pour moi, c'est le... Nous sommes devant le théâtre de Tipazin, qui est assez particulier. On ne le voit pas, il est bien caché. Hein? Oui, il est bien caché parce qu'il est un peu en contrebas. Et c'est le seul théâtre d'Algérie. Les gradins sont construits sur les voûtes. Pourquoi? Parce que généralement, comme celui de Timgad ou de Jimila ou de Cherchel ou d'autres théâtres, on adossait le théâtre à une colline. Donc on utilisait le flanc de colline comme support pour les gradins. Et les magasins vont se trouver de part et d'autre du théâtre. Ici, on a fait d'une pierre deux coups. D'abord, on a construit des voûtes pour soutenir les gradins, et les voûtes sont utilisées comme magasin. Parce qu'on passait des heures et des heures dans un théâtre. C'est des tragédies longues, donc les gens avaient besoin de manger, de boire, de rester, de passer le temps dans ce théâtre. Et ce théâtre de Tipaza a été malheureusement démantelé à l'époque coloniale. Beaucoup de pierres ont été réutilisées pour construire l'hôpital de Marengo, l'actuel Hadjot. Et donc on a toutes les pierres qui étaient en surface ont été amenées